Je sais même plus quel shift c'est. C'est le 24e, je crois. C'est le 24e. Bon, alors moi, je vous le dis, hein, si on a des commandes, c'est bien. Si on n'en a pas, tant pis, hein, comme on pourrait dire. S'il n'y a pas de commandes, on ira se balader. Hier, je m'étais assis sur un banc ici. Pas ici, forcément, mais quelque part par là, quoi. Tellement il n'y avait pas de commandes. On va voir si aujourd'hui c'est pareil. Hein. Je ne l'espère pas. Parce que bon, le but c'est quand même de travailler quoi. Ouais, c'est vrai. Et la famille, hein, le clic flip. Bon, alors soit on s'assoit un peu là, sauf que le mec il a pris mon banc, super. Soit, bah je sais pas. Ah, il y a un banc ici, on se met là. Et puis on va attendre, gentiment. On est au soleil. C'est pas un coin si désagréable que ça, quoi. J'ai reçu une notif de la part d'Uber Eats en me disant vivez d'amour et de pizza. Et la promotion, c'est genre une pizza achetée, une pizza offerte, je crois. Et la promotion, elle est applicable chez Napoli Gang. Et ça tombe bien, parce que Napoli Gang, c'est à côté de moi, là. C'est possible, bon, je sais pas, si ça va pousser les gens à commander, mais en vrai, non. Hein. Parce que là, c'est vrai que même si une promotion, je préfère largement aller en terrasse que d'aller commander, quoi. En tout cas, j'aime beaucoup cet endroit. Très, très joli. Pour patienter, au moins, on n'est pas... Voilà, on n'est pas à côté des voitures qui font vroom vroom là, insupportable. Des scooters aussi. Ah oui, et pendant qu'on n'a pas de commande là, je voulais vous parler d'un truc aussi. Ça pourrait peut-être vous intéresser, je pense que même que ça va vous intéresser. Il y a un youtubeur en fait qui fait également des vidéos sur, enfin pas sur Paris, mais en banlieue parisienne, donc il fait également Uber Eats. Il a créé un Discord en fait de la communauté des livreurs parisiens, enfin pas parisiens seulement, mais un peu toutes les villes quoi, de plusieurs régions. Et du coup c'est sympa parce que du coup on parle et tout, donc je vous le cale là, si vous voulez venir. N'hésitez pas, le lien est dans la description de la vidéo. Voilà, ça me ferait plaisir. Et puis même c'est cool, comme ça, si vous avez besoin d'aide ou si vous avez un bug sur l'appli, j'en sais rien, n'importe quoi, si vous avez besoin de quelque chose, ou même parler tout simplement avec les autres livreurs, vous pouvez. Donc voilà, je vous le cale là, hein, j'en profite. Il est 19h12 et on n'a pas sonné. En soi, c'est pas si gênant parce que là, je suis bien, mais bon. L'objectif de ça, c'est de faire de la thune quand même. Hein. Si je veux me balader, moi j'y vais sans mon sac et voilà. Qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce que si à 30 on sonne pas? Vas-y, vous savez quoi? Si à 30 j'ai pas de commande, on va bouger. Et puis on m'avait dit aussi que dans le 16e ça sonnait plutôt bien. C'est pas à côté du tout, ça, c'est pas proche du tout de là où je suis. Hein. Si ça sonne dans le 16e, bah, je vais dans le 16e. Hein. C'est pas à côté, le 16e c'est genre. Quand je dis 16e, c'est genre Tour Eiffel quoi. Évidemment, pas au pied de la Tour Eiffel, hein. Mais genre Tour Eiffel, enfin 15e, 16e en tout cas. De toute façon, là c'est clair que c'est une période pas agréable quoi. Non seulement cette période en temps normal c'est pas ouf parce que du coup bah, il commence à refaire bon et les gens ils vont en terrasse, ils vont au resto. Mais là le truc c'est qu'en plus de ça, t'as la réouverture des terrasses qui fait que bah, tout le monde est. Ils en avaient marre en fait de commander donc forcément ils vont. Ils sont jetés sur les terrasses et forcément t'as beaucoup plus de monde qui va en terrasse que de monde qui commande chez soi quoi. D'ailleurs je me demande si les livreurs ils vont commencer à arrêter de faire cette activité là, justement à cause de cette baisse d'activité. Ou alors ils vont essayer de trouver un autre job à côté ou je sais pas. D'ailleurs pour occuper un peu de temps de vidéo, ce qu'on va faire c'est que là quand je vais aller dans le 16e parce que je sens que c'est ce que je vais faire en fait. Parce que là, clairement, il est 22 et ça sonne pas, donc on avait dit qu'à 30, on partait. Donc bref, ce que je vais faire, c'est que... Bah, c'est que je vais faire littéralement un accéléré, en fait. Hein. À partir de là, à l'endroit où je suis, jusque dans le 16e, je vais faire un accéléré. Non, mais en vrai, putain, c'est chiant. Hein. Je me fais chier, là. En plus de ça, j'ai envie d'aller aux toilettes. Pourtant, c'est pas les restos qui manquent, hein, t'en as partout. T'as Napoli, t'as Burger King, t'as Big Fernand, t'as le resto japonais en bas là, l'eau du Cheval qui est en face d'ailleurs. Ah, il y a Sushi Story, il y a quoi, il y a plein d'autres trucs. Il y a plein de trucs. Il y a beaucoup de restos, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que personne commande. J'ai eu une vibration, j'ai cru que c'était Uber Eats. Mais non, parce que sur Uber Eats, t'as la vibration. Ouais, je vais y arriver. T'as la vibration plus le son en fait.
me demande si l'ascenseur il marche là-bas. Je vais aller voir. Je sais qu'il y a une toilette juste en bas, mais j'ai un peu la flemme de faire le tour là. Donc si l'ascenseur il fonctionne, ça m'arrangerait. Comme ça je descends direct quoi. Bon allez 28, allez, on va se bouger le cul. Hein. J'en ai marre d'attendre. Putain. Si on m'avait dit que j'avais une soirée aussi dégueulasse, tu me diras. Parfait tout ça. Nickel. Je pensais pas qu'il était en marche, en état de marche, mais tant mieux. Oula. Par contre, les bruits que ça fait, c'est pas rassurant. Hop là, et me voici en bas. Il y a tout le monde qui me regarde. Let's go to the 16ème, à part si on sonne avant. Mais bon, je le sens pas comme ça, moi. Oh, et puis c'est vert, nickel. Ça, c'est juste pour moi. Bon, allez, à partir de ce moment-là, on va se dire un truc. C'est un accéléré. Voilà. Comme ça, vous verrez l'entièreté du trajet. C'est que la ligne droite en soi, mais bon. Vous verrez l'entièreté du trajet jusqu'à dans le 16ème, quoi. Through the pines, the sentience of animals, what
we fear in the dark and what lies beyond the darkness. I'm talking about seeing beyond fear, about looking at the world with love. Ça faisait longtemps que j'étais pas passé de ce côté-là. Hein. Bon, bah finalement, c'est balade. Hein. Balade parisienne. Panacea Beaugrenelle. Panacea, où est-ce que c'est ça? Rue Linois. Attends, quoi? Cette rue Linois? Mais je sais pas où c'est ça, moi. Ah, c'est dans le centre commercial. CC Beaugrenelle, panoramique, premier étage. C'est quoi? On va marquer Panacea sur Google Maps et on va trouver soi-même parce qu'il n'y a aucune indication. Attends, quoi? C'est une blague là? Comment d'annuler? Comment d'annuler? T'as déjà que j'ai rien. Déjà que j'ai aucune. Oh, je vais serrer. Ça commence à me. Waouh. Donc en gros là, ça veut dire que j'ai enfin eu une commande, mais que elle est. En fait, elle est annulée quoi. Je crois que je monte en pression là. Ah, ça me saoule. Commande les gars, si c'est vraiment ça, je refais. On va mettre ça là. Ah bonjour, vous êtes là? Alors c'est. Pardon? Ouais c'est ça, c'est la commande Annie. Annie, c'est tout. Annie, c'est tout, j'ai que celle-là. Ok. C'est que ça? Merci. Validé. Ouais, c'est validé. Merci. Merci, bonne soirée. Où est-ce qu'on va? Place des Pyramides. Ah là, ouais, je suis content. Même si c'est genre... Même si c'est une commande de merde, je crois sincèrement, au plus profond de moi, que cette soirée, ça va être une soirée genre à 15 balles. Maximum, j'en suis sûr. Vu comment c'est parti. Premier code, machin, premier code, descend les escaliers, oh là là. J'aime beaucoup ce genre de truc, hein. Je vous le dis d'avance.
aller au fond de la cour déjà. Et c'est au combien? Bonsoir. Et voilà pour vous. Bonne soirée. Moi aussi. Merci, au revoir. Et ben voilà. 6,09€ et il est 21h05. C'est vrai qu'on est bien rentable aujourd'hui. Hein. Là, franchement, j'ai pas à dire. On est particulièrement rentable. Si j'avais su que ça serait aussi merdique, hein. Mais bon. Alors je crois que là c'était vraiment inespéré. Hein. C'était inespéré. Apparemment c'est bien réel, on va prendre la piste cyclable, c'est mieux quand même. J'ai une commande à Montorgueil, à Bio Burger Montorgueil. Et elle est payée 7€ et quelques je crois. Franchement, incroyable. Enfin quoi. Merci. Ah bonsoir. J'ai la commande. Je vais vous dire ça tout de suite. Nicolas et Benjamin. Nicolas et Benjamin, ok. Ouais. Elles sont pas encore prêtes, mais je dirais 4 ou 5 minutes. Oui, pas de soucis, j'attends. De toute façon, il y a tellement rien que... Comment? Il y a tellement pas de commandes que je prends ah, ce qu'il y a. Il y a 4, ouais, ouais. Putain, on a eu 5 ans. Ah ouais Nicolas. Nicolas, juste là. Et Benjamin. Et c'est les deux. Ouais. Ouais. Benjamin sera le grand avec Nicolas le bus. D'accord. Merci. Merci, bonne soirée. Bonsoir, vous fermez? Ouais, non. Alors il m'a dit Nicolas c'est le petit sac et machin c'est le grand sac. On va déjà aller livrer Benjamin. Bon je vous avoue qu'ils ont mis un peu de temps quand même. Habituellement c'est clair que. T'as pas vu la casquette là? Ouais. Tiens, quoi. Normal. Voilà. Habituellement, donc je disais oui. Habituellement, c'est clair que je prends pas. Enfin, j'aurais annulé quoi. Mais là, il y a tellement rien que voilà quoi. Je prends ce qu'il y a. Et 34. Bonjour, vous êtes sur la messagerie de... Ah, bon bah d'accord, je vais lui envoyer un message, je suis là. Je vais attendre un peu et puis s'il répond pas, ça sera bisous. Hein. Ah. Allô ? Oui, bonsoir, vous êtes en bas ? Oui, je suis en bas, c'est le livreur. Alors, le code c'est 89 à 58, j'arrive, je descends. D'accord, merci, à tout de suite. Merci beaucoup. C'est moi ou j'ai entendu un bruit de chasse d'eau après? Alors je veux pas, voilà, mais... est-ce que je laisse ma roue là ou je la rentre? Putain, la flemme, quoi. Je sais même plus c'est quoi le code 34. Ah, bah j'allais faire le code. vous êtes Benjamin. Alors, je crois que c'est ça, hein, comme j'en ai deux. Ouais, c'est ça, bonjour. Bien. Et voilà, bonne merci. Soirée, bon appétit. Soirée, merci, au revoir. Bon, clairement, full mytho. Hein. Oh, mais c'est excellent. Oh là là. Alors, cette commande-là, je crois que j'ai... C'est incroyable. En fait, cette commande-là, en fait, je vous explique. Cette commande-là, en fait, elle est dans ma rue. Elle est littéralement dans... Alors, je vais passer là, parce que comme... Là, en fait, elle est dans ma rue, c'est... Genre, en gros, là, je rentre et c'est bon, quoi. Putain, et c'est rare de ouf. Alors, encore, quand je suis vers Bercy et tout, là, quand je suis dans le quartier Rive-Gauche, bah, je suis d'accord qu'en fait, c'est possible, en fait, d'avoir des commandes qui sont à côté de chez moi, mais là, je suis pas du tout à l'endroit où ça peut arriver, quoi. La soirée n'aura pas été productive de ouf, hein. Ça, c'est clair. Alors, il nous reste 1,2 km. Ça va, ça va. Les 200 mètres et c'est livré.
et on aura fait moins de 15 euros, je suis sûr. On sera à 13 euros, 13 balles, un truc comme ça. Putain, mais c'est... Bonjour. Vous êtes Nicolas. Oui. C'est ça. Oui. Hop, voilà. Et voilà. Merci. Bonne soirée, bon appétit. Oh, ça me dégoûte. Je crois que ça va rentrer dans mes pires soirées Uber Eats, hein. Clairement. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Vous aura quand même diverti un minimum. N'oubliez pas, comme d'habitude, le like. Oh, tiens. Attendez. C'est peut-être pas fini. On a une commande. À l'impasto, et on va où? Rue Berthollet. C'est deux commandes. Allez, on l'accepte. C'est deux commandes. Est-ce que c'est deux grosses? Non, ça va, nickel. L'impasto, je sais où c'est. Je connais ce restaurant. Bon, bah voilà, finalement, bah, j'étais en train de vous faire la outro, mais... comme quoi, il n'y a que des rebondissements. Non, vraiment. Vous faites les consignes comme ça? Ouais, ouais. Si, si. Bonsoir. J'ai Joachim et Agraz. Pour lequel ça va avec la grande? Voilà. Merci. Avec la grâce. Pas de soucis, merci. Au revoir. Hop là. C'est marrant, le client il m'a mis l'adresse. Enfin, il m'a mis son adresse dans les commentaires, tu sais, qu'on met au livreur. Non mais c'est bon, l'adresse je l'ai déjà. Hein. Pas la peine de le mettre en deux fois. Ou alors il va me faire une feinte, j'aurais mis aucune indication, puis. Au dernier moment, tu sais, il m'envoie un message. Ouais, mais en fait, vous devez monter, machin. T'as des clients qui font ça, genre, ils te mettent aucune indication, donc toi, tu crois que tu vas monter tranquille. Mais en fait, pas du tout. Après, ils t'appellent et ils disent, ouais, mais en fait, faut monter. On va passer par là. Bon, je prends le trottoir, mais c'est parce qu'il y a des travaux et tout, c'est un peu galère. Puis à cette heure-là, ça va. Hein. Et voilà, bon appétit, bonne soirée. Rapide. Et c'est ce que j'aime. Et bah direction le deuxième client. Par contre, j'espère seulement que c'est un cas isolé, quoi. Et que tous les soirs ça pète comme ça. Merde, putain, j'aurais dû passer sur le trottoir, c'est pas grave. On va faire ça, mais on va passer sur le trottoir ici, c'est pas grave. Enfin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Agraz, c'est ça? Agraz. Et voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon appétit. Merci, au revoir. Bon, alors là, c'est sûr et certain qu'on va pas ressonner. Parce qu'il est 22h11. Donc là, clairement, si on ressonne, ça voudrait dire que les restaurants ne sont pas dans la loi. Bon, c'est vraiment une soirée de merde, en vrai. On est à quoi? On est à 20 euros. 20 euros, c'est... Putain, mais c'est impressionnant, quand même. À chaque fois que je parlais, t'as un scout qui passe, quoi. Insupportable. Bon bah 20 euros tout pile, hein. Enfin tout pile. Pas vraiment vraiment tout pile, mais 20 euros et quelques centimes, quoi. Franchement, je suis déçu. Encore hier, vous voyez, j'ai fait 25 euros. Déjà, j'étais pas très content. Mais par contre, si ça va en dégressif comme ça chaque jour, putain, je vais péter un plomb. Hein. En tout cas, moi j'espère sincèrement que c'est...
Là que ça coûte des terrasses et que ça va se tasser, puis je sais pas, dans quelques semaines, ça redeviendra normal, puis on aura de nouveau des commandes, quoi. Parce que là c'est vraiment la misère, quoi. C'est... Bon, alors cette fois-ci, je vous fais vraiment la vraie outro, parce que du coup, bah là, c'est sûr et certain que j'aurai pas de commandes. Si j'en ai, c'est inquiétant quand même, parce que normalement, enfin c'est inquiétant non, en vrai, mais ça voudrait dire que les restaurateurs sont pas en règle, quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura quand même diverti, parce que bon, c'est vrai qu'on a quand même passé beaucoup de moments à nous balader sans commande, quoi. Mais bon, ça va. Voilà, vers la fin de la soirée, ça a été. C'était pas incroyable, mais ça a été. Alors c'est vert pour les piétons, pourquoi je peux pas passer moi? N'oubliez pas, comme d'habitude, le like, le commentaire et l'abonnement, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut !